bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Denis Fortin et j'aimerais vous partager ma passion pour le travail du bois. À travers nos cours en ligne, vous pouvez apprendre plusieurs techniques dans le travail du bois. Que ce soit pour vous initier ou apprendre à faire des coupes de précision, ou apprendre les techniques d'assemblage modernes ou traditionnelles, nos cours sont accessibles à tous. Si jamais on veut plus de stabilité puis s'assurer que notre appui est parfaitement bien ajusté, il y a certains panneaux qui ont gauchi lorsqu'il est entreposé. On voit ça à l'occasion. Ou si vous travaillez avec des panneaux là, qui ont une courbe dedans, c'est sûr que simplement en appuyant avec les mains, des fois, là, on n'arrive pas à avoir une pression qui est constante. C'est à ce moment-là que les poussoirs à roulement vont jouer un rôle là, assez intéressant. Fait qu'on peut simplement venir ajuster un balai à roulement. Donc, on s'assure qu'on est bien appuyé. On bloque comme il faut. Puis à ce moment-là, lorsqu'on va pousser le panneau, si jamais il y avait une petite courbe sur le panneau, le poussoir ici va le maintenir fermement en place, puis on va avoir une coupe là, qui est parfaitement à sa place, parfaitement impeccable. Donc, c'est un accessoire là, qui est très utile dans ce genre de situation-là. C'est très utile lorsqu'on veut faire des moulures ou des petites pièces, mais lorsqu'on veut redresser un panneau, ça fonctionne vraiment très, très bien. Ce type d'installation-là serait aussi valable sur la table à toupie lorsqu'on veut faire des coupes et on veut s'assurer que notre panneau est bien ajusté. Lorsque vous achetez nos cours en ligne, vous avez accès aux vidéos pas à pas en tout temps. Directement sur votre ordinateur, votre tablette ou votre portable, visionnez les vidéos autant de fois que vous le souhaitez et sans limite de temps.